Rien au monde ne me tient autant à cœur que New Donk City. Je suis infiniment reconnaissante pour toute ton aide, Mario. Je t'invite à notre petit festival, j'ai en tête une surprise pour m'exprimer ma gratitude envers toi et envers la ville. Penses-tu que tu pourrais m'aider à trouver 4 musiciens pour exécuter un petit numéro? Rien de compliqué. Bah oui, il y en a un ici. Oh. Malgré le battement frénétique de la ville, j'ai pas pu m'empêcher de vous écouter parler tous les deux. Ça fait des lunes que j'ai pris part au festival de la ville. Bien des lunes. En tout cas, si Madame la mairesse veut bien m'avoir dans son groupe, ça me ferait plaisir de l'accompagner sur scène. Ah oui, en plus, il me donne une lune. Est-ce que ça veut dire que chaque... Voilà notre batteur. Et là, on a besoin d'un guitariste. Et je sais où le guitariste. Bravo, tu as trouvé un musicien, merci. Nous en ferons encore 3 autres pour le festival. Si tu croises des musiciens, n'hésite pas à aller leur parler. Parfait, on va faire ça tout de suite. Hein. Et là, pour l'occasion, je pense qu'avant d'aller voir tout le batteur et tout ça et compagnie, ça pourrait être drôle d'avoir une cinématique en mode caleçon. Je vous dis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller en mode caleçon. On n'a vraiment pas le choix. Je vous dis, j'ai pas le choix de le faire. Attendez, il y a la mobilette. On a la mobilette, mais on va les changer avant. On va se mettre dans une tenue digne des plus grands festivals. Hein. Il faut se préparer quand même, parce que je vous dis, c'est pas tous les jours qu'on s'en va à un festival. Donc en gros, on va mettre notre sombrero et on va se mettre en mode caleçon. Non, attendez. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Est-ce qu'on y va encore avec le savant fou ou le tuba? On y va avec le savant fou. Quand même, il faut garder cette tenue. C'est une des plus grands, non? Le savant fou en caleçon. Le vieux monsieur en caleçon. Le pédo en caleçon. Bon, okay, je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir quand même le musicien ici. Je sais qu'il y a le trompettiste ou le Oui, le trompettiste, on peut dire ça comme ça. Bonjour toi. Yo, ça va toi? Mon sang te fait vibrer. Pas tout à fait. Tu veux me demander quelque chose? Vas-y, la mairesse veut organiser un festival. Ça fait déjà un bon bout de temps depuis la dernière fois, j'y serai, c'est sûr. En plus, ça fait bien ces événements. Non, dis-lui que je jouerai avec plaisir pour l'amour de ma ville. Yeah! Et je te donne une lune en même temps, mon cher. Hein? Tu mérites juste ça d'avoir une lune en même temps. Voilà, notre guitariste. Oui. Bon, on va continuer, hein. Il faut tout le temps qu'on en revienne au début. Hein. Le trompettiste est en haut. Il va juste nous manquer une autre personne. Si tu pars, tu peux ouvrir ta carte. Oui, on n'a pas ouvert la carte. Merci, monsieur. Je te dis, lui, je l'adore. Je lui lance une casquette, c'est tout ce qu'il mérite. La ville qui bouge toujours. Achalandé, grand New Dunkers, à l'effigie de la mairesse. Oui, c'est la monnaie, ça. Vue à 1 million de pièces, une cité qui gratte le ciel. Haha, gratte-ciel. Qui dit New Donk City dit gratte-ciel. Haha, gratte le ciel. Hilarant, monsieur. Crazy Cap Magasin Far. Donc, en gros, le Crazy Cap, ville toujours en chantier. Et promenade en scooter, parce que c'est cool les scooters. On peut faire pip-pip, mais on peut pas faire pip-pip. Malheureusement. Oh, en plus, ça nous dit il est où. C'est triste quand même. On sait exactement qu'il est ici. Je sais qu'exactement en plus qu'il est ici. Donc, j'aurais pu ne pas utiliser la carte et essayer de chercher par moi-même. Mais non. Il y a toujours une carte pour bloquer complètement ton expérience de jeu et te dire que finalement t'es une merde. Ok, peut-être pas à ce point non plus. J'ai l'impression d'être hyper méchant pour aucune raison, mais c'est vraiment pas le cas. Mais en gros... Wow, Mario, s'il te plaît, calme-toi. Ça va bien aller. Pas trop de problèmes. Voilà. On monte ici... Je pensais pouvoir m'y rendre. Hop. Hop. On monte là-dessus. On s'en va ici. Et on se catapulte. Parfait. Bon. Bonjour, monsieur le trompettiste. Salut. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici? Ah, madame la mairesse, je vois. Oh, bah j'écoute. Écoute, j'accepte avec plaisir. Je serai content de faire ma part pour le festival. Et voici de m'avoir évité. Hey, yo. Merci pour cette lune. Voilà notre trompettiste. Il va nous manquer. Attends, on a un trompettiste, on a un batteur, on a... un batteur, lol. Oh, ça commence à devenir intense comme musique. On a un trompettiste, on a un guitariste, on a un batteuriste. Oui, ça se dit tellement pas, mais c'est pas grave. Et il nous manque tout simplement une personne pour compléter notre duo de choc. Une personne qui risque d'être un bassiste. On y va avec la logique d'un groupe, ça serait ça, hein. Ah,
Bye bye le truc. Il fait presque pitié à voir maintenant, je dis presque, on s'entend. Hein. Et tu es à l'aise habillé comme ça? Oui. Complètement, je me sens complètement à l'aise. Cette petite brise était tellement agréable, j'avoue. En caleçon, on se sent tellement agréable d'avoir une petite brise comme ça. En plus, il fait vraiment la musique de... Bon, on va aller voir le bassiste. Hein. Toi, tu as l'air bien trop sérieux. Je peux faire quelque chose pour toi? J'avoue que en caleçon, je fais le mec le plus sérieux au monde. Ah bon, je vois, notre mairesse, elle était géniale. Elle a toujours des bonnes idées. Je ne manquerai pas l'occasion de sorte, j'embarque. Yeah! Et voilà, on a un bassiste, on a un trompettiste, on a un batteriste et on a un guitariste. On a toutes les istes et on a même un scientifique. Non, ça fonctionne pas. Tu es formidable, nous avons tous les musiciens qu'il nous faut maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Malheureusement, nous faisons face à un nouveau problème, la centrale souterraine ne fonctionne plus. Sans l'électricité, impossible d'organiser un festival. Si tu pouvais trouver une solution, ça serait génial. Pa-pa-pao. Pa-da-da-da-pao. Oh, Mario, il danse pas. Pa-pa-pao. Pa-p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 a
5, 6, 7, 8. Mais toutes les lunes que j'aurais pu récolter. J'aurais fini le jeu comme ça. Merci de tout cœur, Mario. Grâce à toi, le festival peut commencer. Nous allons enfin pouvoir commencer les festivités. N'attendons plus. Ah, j'oubliais. Acceptes-tu de prendre part à notre festival? En caleçon? Eh oui. Je suis dans mon meilleur élément pour faire ça. Merveilleux, je suis impatient de célébrer avec toi. Ça fait tellement bizarre quand tu y penses. Mythique Festival. Ah ouais, je chante même pas la vraie chanson. Je m'attendais à la vraie chanson, mais vraiment toute... We're coming on it after you. Trop bien. Sérieusement, d'être en caleçon, pouvoir danser. Est-ce qu'il va danser? Voilà. Que demander de plus? Être en caleçon et s'amuser. Et que personne te juge dans la vie. C'est vraiment le meilleur moment au monde. En plus, c'est pas vraiment la version normale, c'est une autre version. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout le niveau qui est en mode... Ah merde. C'est vraiment toute une partie du niveau qui est en mode Mario 2D. C'est cool, c'est cool. Vraiment un super clin d'œil à Donkey Kong là-dessus. C'est vraiment un gros clin d'œil à Donkey Kong. Vous pouvez pas plus demander. Tu sais, les barils et tout ça, le... C'est tout. Tout l'ensemble. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on peut, selon vous, courir en mode monter le mur? Ah ouais, on est comme Sonic! Tout est planifié. Ah oui, on est rendu à l'envers. C'est bien ça. Hop, 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 on prend les pièces. Ça c'était limite, ça c'était limite. Et non, ça va. Ah oui, j'ai juste écouté, attendez, écoutez le bruit. Là, il a pas eu. Là, il a eu le... C'est tout simplement le bruit de... du Donkey Kong, en gros, ben, le Donkey Kong Jr. Ben, en bref, ce jeu, c'est exactement le bruit des... C'est exactement le même. Je vous dis, c'est un espèce de gros clin d'œil. Vraiment, Nintendo, vous êtes fort sur les clins d'œil. Hein. Vraiment... Je vous lève mon chapeau. Toulum toum tchou. Bon, ok, il fallait que je fasse la blague. Ok, là, je vais juste prendre qu'est-ce qui est en dessous parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de bien. Peut-être que non. Je vous laisse un petit peu écouter la musique. Vraiment, elle est trop sympathique. Elle est surtout remixée aussi à un petit peu la sauce d'aujourd'hui, entre guillemets. Je peux dire de cette façon. Allez, Dicky! Pète la gueule, pète la gueule, pète la gueule! Tristesse d'indiquer. Et là, je vais sortir en caleçon en mode je saute sur toutes les gens. Wouhou! Ah oui, en plus, quand on saute sur sa tête, ça fait. Vraiment. Est-ce qu'on peut lui sauter sur la tête? Je vais lui sauter sur la tête! J'aime le fait qu'elle dit vraiment oupsie à chaque fois. Quand même. Merci d'avoir participé au festival. Grâce à toi, la fête est encore plus belle. Tiens, accepte ça en guise de remerciement. Ça fait plaisir et moi je m'en vais. Bye. Non, tu... Wouh. Wouhou. Et sérieusement, j'essaie. Je me mets vraiment dans la tête que ça se passerait pour de vrai. Et vraiment, ça me fait trop délirer de juste voir un mec qui est en caleçon. Qui saute sur la tête des gens pendant le festival et tout le monde s'amuse quand même. Tout le monde fait comme, ben c'est normal. Il y a aucun problème, il y a aucun jugement, il y a aucunement un problème dans tout ça et ça serait... Ça serait bizarre. ça serait vraiment bizarre. ça pourrait pas être normal. Ça serait juste bizarre. Donc on peut aller dans une autre destination parce que là on a assez d'étoiles. J'ai encore le mot étoile au lieu de lune. Sérieusement, il faut vraiment que je m'habitue.
Donc New Long City, je donne quand même une note de 117 sur 10. Voilà, je voulais juste attendre le numéro de lune qu'on avait. Donc le DC a gagné en puissance, parfait, on va pouvoir aller à une autre destination.